L'obligation de lecture de la Megillah, ce pas une fois, c'est deux. Normalement, tu dis le jour suit la nuit. Alors, si je la lis la nuit, est-ce que j'acquitte le jour aussi Non. La nuit et le jour. Et Krayomam, velotane, velaila velo Ça, c'est un pasuk dans le Mismor de Purim. Alors, il faut la lire la nuit et le jour. Et les hommes et les femmes. Maintenant, il dit ici, le, la nuit, ça commence avec la sortie des étoiles, et le jour commence avec la sortie du soleil. Ken? Seulement, dans les calendriers, les heures ne sont pas selon, conformes aux, à l'opinion du Shouhan le Maran, ils sont plutôt ashkenaz. Même les calendriers que nous avons. Nous on, nous, on publie les heures le, le séparades, mais le calendrier qu'il y a, c'est tout ashkenaz. Qu'est-ce qu'ils font les ashkenaz Et ils disent que le l'aube, c'est qu'on appelle Alot otta l'aube. L'aube, c'est quand le soleil commence à monter à l'horizon, mais il n'est pas sorti sur l'horizon. Alors tout ce que tu vois dans l'horizon, tu vois des rayons du de soleil, tu vois la lumière, mais tu vois pas le soleil encore. Ça s'appelle l'aube. Combien de temps ça prend que le soleil, dès qu'il commence à monter, jusqu'à qu'on voit le bout du soleil sur l'horizon, pour le Sepharad, 72 minutes, depuis l'aube jusqu'à Netz, Netzakama, ça veut dire qu'on voit le soleil, 72. Les Ashkénas viennent dire non, 90 minutes. Ça fait 20 minutes de différence, c'est beaucoup. Tu sais où ça prend effet? Dans le jeûne public. À quelle heure commence le jeûne? Eux, ils vont commencer le jeûne 20 minutes plus tôt. Alors dans le calendrier du Vaad ou tout le calendrier, l'heure qui est marquée là-bas, selon l'opinion ashkenaz. Okay, ça c'est un problème. Deuxième problème. Quand est-ce qu'il finit le jeûne Alors nous on dit 20 minutes après le coucher de soleil. Coucher de soleil pour tout le monde c'est la même heure. Il y a pas. Le, cou... le soleil ne se couche pas en deux heures différentes. Coucher de soleil se couche de soleil. Seulement, eux ils disent le coucher de soleil. C'est 35 minutes à 40 minutes après. Choukhana Nauri te dit 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup, c'est une grande différence encore, 15 à 20 minutes de différence. Alors quand il marque l'heure de, de fin de jeûne, c'est heure Ashkenaz. Il faut le calculer heure séfarade. C'est vrai que, vrai que le, dans le monde, ce n'est pas, pas toujours pareil. Il y a des journées qui sont plus longues dans certains endroits, des journées qui sont plus courtes. Mais le minimum de la journée, c'est 20 minutes. Minimum, c'est 20 minutes. Ken? On était ici à Montréal, on était, c'est 25 minutes. C'est un peu plus long, c'est un peu plus tiré. C'est même pas 20 minutes. C si tu veux être exact, c'est 13 minutes et demie. Mais 20 minutes, c'est le maximum. Quand, alors, il y a des différence. Alors, regarde, pour him, quand la première lecture, on est à jeun. La première lecture, mercredi, on est à jeun. Alors, tu ne peux pas trop tirer, les gens sont fatigués. Il y a des femmes qui viennent et des enfants. Tu essaies de, de dès que c'est possible, de le lire. Parce que la, la Megillah, c'est après la fin du jeûne. Après la fin du jeûne. Alors, tu dois le faire le plus vite possible. Alors, il dit ici, et, et dans le calendrier... Zmane amud et la Selon ils sont pas corrects. Ça veut dire pour le séfarade au moins. eux c'est leur opinion. Mais pour le séfarade c'est une autre. Alors il dit ici, il faut mettre les heures à jour pour qu'on puisse commencer la lecture de la Megillah à temps et aussi finir le jeûne, le jeûne aussi à temps. On n'a pas le droit de manger, on va étudier ça. On n'a pas le droit de manger avec la de la Megillah à moins que la personne est très faible. Okay? Elle peut prendre un petit bout de gâteau ou un café. Okay? Mais ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Ça c'est On appelle ça des cas de force majeure. Mais a priori, tu dois lire la Megillah à jeun. À jeun. Il dit ici, il y a des endroits... הוא ויה אונס, יא דקה דפורס מאז'ר, שאי אפשר לקחות את המגילה בציבור אלא בעוד יום, אלא אחר הלכה פרקזום, בזמן שהשלטונות מטילים עוצר כללי בשעות הלילה, מותר לקחות את המגילה בשעה זו. הלור דריזים מלאכה איסי. דולר המשנה נוזבון אין דיסקוסיון, רבי יהודה החכמים. הקלר אירום פפר ערבית. הקלר אירום פפר ערבית. ששתים משנה. ששתים משנה. מהקלר עושה לה תומד למי. Viens Rabbi Huda, il dit plague à Mincha. Qu'est-ce que c'est plague à Mincha? Une heure et quart avant la sortie des étoiles. Il fait complètement jour. Il fait complètement jour. Tu regardes dans ces jours. Mais Rabbi Huda, il dit une heure et quart avant la sortie des étoiles. Ça s'appelle plague à Mincha. Et à plague à Mincha, tu peux lire. Tu peux commencer à lire. La, tu peux lire, tu commencer à lire le chemin. Si on prend exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Plaga Mincha, c'était 4h36. 4h36. À quelle heure était le coucher de soleil, aujourd'hui? 5h46. 5h46. Une grande différence. Viens, Rabi Houda, à 4h36, tu peux faire Arvit. Arvit. Alors, tu fais Mincha avant 4h36, et tu fais Arvit après 4h36. Viens, Khamim, ils disent, non, 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 non. Non. Mincha, et Arvit. Tu l'as fait en sortie des, euh, des étoiles. Tiens? Sortie des étoiles, si je regarde ici, c'est 5 6 6h31. Pas là. Si je. Hein? C'est pas là. Pas là. Non, ça c'est là. Alors, c'est quoi la lacha? La Gmara dit à la fin, ils ont pas. La Gmara n'a pas tranché. Plusieurs fois, la Gmara tranche. La lacha est comptée, la lacha est comptée. Mais là, la Gmara n'a pas tranché. Alors qu'est-ce qu'il dit la Gmara? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? David qu'aimera David? David qu'aimera Si tu veux faire comme Rabbi Ouda, tu es en règle. Tu veux faire comme Ravine, tu es en règle. Quelqu'un qui est en obligation et il peut pas faire arvit à temps, okay? Il peut faire avec comme Rabbi Ouda. Plagamincha. À Plaga Mincha, il peut faire déjà arvit, okay? Alors il dit ici quelqu'un qui ne peut pas attendre trop après la fin du jeûne, pour la fin du jeûne, Il okay? Il peut pas finir le jeûne, mais il veut lire la Megillah. Parce qu'après, il pourra pas lire la Megillah. À mincha, déjà, il peut lire la Megillah. À mincha, il peut lire la Megillah, Ken? Il y en a qui disent, non, si c'est une personne en bonne santé, qu'il attend le cet accord Alors, ça veut dire qu'il y a possibilité. Je vous donne un, un exemple. Dans des hôpitaux, des hommes, il y a des hommes pour le, pour les gens âgés, ils Ils peuvent pas, ils doivent leur donner à manger quand, c'est, il faut, quand il faut, quand il fait mieux, ils sont déjà en train de dormir. Alors, un, il veut lire la Megillah. À quelle heure le minimum? Plagamilha Tu regardes, tu prends un calendrier. Tu vois Plagamilha, Tu leur lis la Megillah. Au moins, tu les as quittés avec la Megillah. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Il fait, il fait encore jour. Oui, il fait encore jour, mais c'est permis selon Rabbi Ouda, C'est permis. Lis l'heure. Alors, il, il la même chose il dire à le Quand il y a nécessité et après la personne ne pourra pas lire la Megillah, il est permis. Délire la Megillah à partir de la plancha. Maintenant, celui qui peut attendre, okay? même Rabbi Tam, il peut attendre Rabbi Tam. Rabbi Tam, aujourd'hui, c'est 6h53. 6h50, euh, 6h59. Si tu peux attendre 6h59, et n'oubliez pas, avant pourri, on ajoute une heure. Là, ça va être 7h59. Ça veut dire un long jeûne. Tu ajoutes une heure sur le jeûne. Okay? Si tu peux attendre la fin de Rabbeinu Tam, elle commençait rien qu'après Alors chaque communauté, elle suit son rabbin, elle suit les heures qui ont été données. Mais les heures quels okay, Il faut il faut voir le kahal à qui on parle. Si on parle de gens très âgés, il faut il faut choisir les heures qui adaptent à ce kahal. Si on parle de très jeunes. צישו אזיר רבינו תם, איסי צ'יום פר מויה, צישו אזיר חכמים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.